Donc, je le disais, nous arrivons au terme de cette journée de Spring 2022 et nous allons accueillir pour clôturer et vraiment cet événement et cette journée qui a été fabuleuse, en tout cas pour ma part, elle a été vraiment très, très pleine d'enseignements. Eh bien, nous allons accueillir, je vais les citer en même temps que nous les accueillons, Jean-Michel Fourgou, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, également maire d'Élancourt. Bonjour. Jean-Philippe Luce, vice-président de Versailles Grand Parc à la commission Ville intelligente et développement économique, également maire de Bois-d'Arcy, bonjour à vous. Vous pouvez les applaudir, oui, oui. Grégoire Delastérie, président de la communauté de Paris-Saclay et représentant de la région Île-de-France, également maire de Palaiseau, bonjour à vous. Et puis Philippe Vandemal, vous êtes directeur général de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, rebonjour. On s'est vu tout à l'heure, bienvenue à tous pour cette cérémonie de clôture. Monsieur Fourgous, vous qui êtes le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, je sais que vous avez coutume de dire que Paris-Saclay, c'est la Silicon Valley française. Est-ce que aujourd'hui vous donne raison? Écoutez, le MIT, comme vous le savez, a classé donc le territoire de Paris-Saclay dans les 8e les plus innovants au monde. C'est vrai que ça fait quand même plaisir. Bon, deuxièmement, le système scolaire de Paris-Saclay, scolaire et universitaire, nous on était invités à l'exposition universelle de Dubaï sur le modèle scolaire et bien sûr aussi de l'université de Paris-Saclay qui a obtenu par Shanghai la première place mondiale de l'université la plus scientifique au monde, parce que les mathématiques, c'est bien entendu, vous connaissez la discipline. Bon, donc c'est vrai que c'est un grand privilège. On a en plus un niveau d'entreprise dans l'ensemble de ce territoire qui est plutôt de haute valeur ajoutée, de haute technologie, avec des secteurs. On est sur la sécurité du futur, l'hôpital du futur, je dirais, l'école, l'univers, tout le système, bien sûr, éducatif du futur. Donc, même la santé, enfin bon, on touche à beaucoup de secteurs, même les transports, puisqu'on a 4 sites olympiques, par exemple, enfin 5 avec aussi Versailles. Et bien entendu, c'est l'occasion de développer un état d'esprit du sport proche de l'entreprise. Il y a toutes les valeurs pour réussir une performance sportive, ben, il faut des valeurs, et c'est celles aussi qui font gagner en entreprise. Donc voilà, et puis on a un secteur R&D aussi, sur l'ensemble des 3 agglos d'ailleurs. Saint-Quentin, les parlementaires de Saint-Quentin sont à l'origine d'avoir accéléré le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est une mesure fiscale qu'on a transformée. On l'a passé de 400 millions de remboursements aux entreprises qui faisaient de la recherche à plus de 4 milliards. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est un outil qui sort de Paris-Saclay, des parlementaires qui ont fait passer ça. Ça a donné un effet, et puis bon, il y a l'OIN aussi qui vous donne un statut d'urbanisme plus accéléré. Donc, effectivement, Paris-Saclay bénéficie d'un cadre assez exceptionnel dont on se félicite tous les jours. Et il n'y a pas que d'ailleurs Paris-Saclay, puisque Spring se poursuit et irrigue tous les territoires avec les circuits de l'innovation demain et même des portes ouvertes qui se déroulent à Saint-Quentin en Yvelines. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'intégralité du territoire qui vit et se développe grâce à l'excellence dont vous parliez à l'instant. Absolument. Alors, il y a aussi toute cette logique d'incubateur où on est un certain nombre aussi dans nos 3 agglomérations. On voit toutes les... Vous savez, en fait, créer une entreprise, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. C'est un homme qui a des idées, qui rencontre un autre qui a du capital, et il rencontre un troisième qui a un réseau commercial, un quatrième qui rencontre les agglomérations qui vont lui donner un cadre pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il démarre le plus vite possible. Donc, vous voyez, c'est un ensemble... mais c'est toujours le facteur humain. Au milieu, vous avez toujours... il faut savoir aimer, considérer, écouter une entreprise. Et puis surtout, il y a encore beaucoup d'adaptations législatives à faire pour leur alléger. Il faut que nos entreprises aient le moins de contraintes possible pour qu'elles aillent le plus vite possible. Il faut les aider à se capitaliser, bien entendu. Donc tout cela, vous voyez, c'est tout un environnement presque d'amour qu'on essaye de leur donner parce que l'être humain a besoin d'amour, de considération, d'être compris, d'être reconnu. Et vous voyez, on est 3 agglomérations aussi à y participer. C'est plutôt une réussite, on n'a pas à se plaindre.
Oui, on sent une solidarité. Et d'ailleurs, à Versailles aussi, Versailles Grand Parc, Jean-Philippe Luce vibre aussi au son de l'innovation, évidemment, ici à Saclay, mais ça rejaillit chez vous, puisque vous aussi, vous accueillez chez vous des grands acteurs industriels. Je pense à Air Liquide, le pôle de Vélizy, etc. C'est attractif également du côté de Versailles. Oui, clairement. On a la chance sur le territoire de Versailles Grand Parc d'avoir un territoire dynamique, innovant, mais ce n'est pas que Versailles Grand Parc au final, c'est nos trois territoires, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a la moitié des villes de Versailles Grand Parc qui sont dans l'OIN de Paris-Saclay et on a la chance de faire 5% de dépenses de R&D privées sur le territoire. On a 30 000 entreprises, on a 4 gros pôles d'activité, des très grands groupes, il y a GLS Care aussi, il y a Carmat à Bois-d'Arcy, on a aussi Safran, enfin il y a énormément de grands groupes installés sur notre territoire et des start-up. Et c'est bien l'esprit même de Spring et de ce dont ont besoin aujourd'hui les startups et les grands groupes, c'est travailler ensemble. Et de plus en plus travailler ensemble et de manière proche, tant à la fois en termes de filière et de réflexion. Nous, on a mis l'accent, alors évidemment, on a une histoire, Versailles Grand Parc, il y a Versailles, donc il y a l'histoire de Versailles, mais au-delà de ça, on essaie de faire combiner les deux, c'est-à-dire l'histoire et le développement économique et surtout l'innovation. Et il y a énormément de sujets d'innovation. Nous, on s'est penché sur des thématiques assez différentes de nos collègues, complémentaires, et chacun a son territoire, à sa façon de faire. On essaie de faire surtout les mobilités innovantes et l'écologie urbaine. Alors évidemment, tout le monde le fait, mais c'est des axes forts d'accompagnement, de développement. On a fait un appel à candidature dans un projet européen justement sur les mobilités innovantes pour réfléchir les transports décarbonés de demain sur l'agglomération avec d'autres métropoles européennes. C'est ça, tous ces projets. Et surtout, on se rend compte, on a encore du foncier, du potentiel, on a le plateau de Satory qui va se développer, et on a fait depuis le début une réflexion qui est de se dire c'est fini le modèle des agglomérations d'antan où on avait les habitants d'un côté, les entreprises sur Paris et la première couronne, il faut attirer les acteurs économiques sur nos territoires et pour pouvoir mettre à proximité des habitants. Et c'est pour ça qu'on le fait, on l'a à Bois-d'Arcy, on l'a à Vélizy, on l'a à Buc, on l'a à Versailles et demain à Versailles-Satory, c'est on a des acteurs innovants, on a des habitations et les gens n'ont plus à passer 2 heures dans les transports par jour et ils peuvent vivre à proximité d'emplois qualifiés et de qualité. C'est ça nos enjeux de nos trois territoires, c'est pour ça qu'on fait ces événements. Alors on comprend bien évidemment sur les enjeux économiques très forts de chacune des villes que vous représentez. Vous parliez des habitants, c'est un point intéressant sur lequel je m'arrête avec vous 2 minutes. Comment faire en sorte que l'innovation ne soit pas trop silotée? C'est vrai qu'on a parlé souvent d'entre-soi un petit peu, ça peut se comprendre dans le monde de la recherche évidemment. Comment faire en sorte que, j'allais dire sans mauvais cliché, monsieur, madame, tout le monde puisse venir toucher un petit peu du doigt ces innovations ici? Des événements comme aujourd'hui et surtout comme demain, vous l'avez dit sur Saint-Quentin, ça va être la même chose sur Versailles, les circuits d'innovation où il y a des portes ouvertes. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. On a le VDCOM, l'Institut VDCOM qui va s'ouvrir pour découvrir ce qu'est le véhicule de demain, le véhicule autonome, le véhicule électrique et comment ils réfléchissent à ces modalités et ces modes de transport. On parlait d'incubateur tout à l'heure, vous en avez un ici à Polytechnique, mais il y en a dans plein d'entreprises. On a Accélère, qui est l'accélérateur d'Air Liquide, qui ouvre ses portes demain avec les experts, les start-up. C'est l'occasion aussi de les rencontrer et d'échanger avec ces professionnels, et on a aussi l'aérogarage de Safran qui va ouvrir demain, par exemple, pour pouvoir justement permettre aux particuliers de découvrir ces lieux et découvrir ces métiers qui sont clés et importants. Bien sûr. Et puis surtout, je crois que l'enjeu, on l'a tous dans nos territoires, c'est attirer des habitants dans nos territoires pour pouvoir avoir, on en parlait avant de monter sur scène, on a aujourd'hui, et vous l'avez toutes et tous ici dans vos entreprises, des grosses difficultés de recrutement. Et plus on arrive à avoir de l'attractivité sur nos territoires, plus on arrive aussi facilement à aider les acteurs économiques pour recruter. Et puis j'allais dire, pardon d'émettre un tout petit commentaire, je digresse complètement, mais c'est bien aussi d'intégrer le grand public dans ce qui peut faire peur, la data, la robotique, tout ça peut créer quand même des stress. C'est bien aussi de créer, je pense, des rencontres pour essayer d'éduquer dans le bon sens. C'est où est la limite? Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'était il y avait du food tech, il y avait de la green tech, il y avait des mobilités. On n'a peut-être pas parlé aujourd'hui assez d'ag tech, mais aussi l'agriculture de demain, oui, très innovante et très numérique. Il ne faut pas que cette technologie soit au détriment du travail, bien sûr, évidemment. Et il ne faut pas faire peur aux gens, parce que la technologie vient aussi simplifier la vie et optimiser le travail des agriculteurs pour l'agtech, mais aussi de la foodtech et compagnie. Expliquer le plus possible aux gens aidera à moins avoir peur, entre guillemets, de l'avenir qui peut inquiéter parfois.
Grégoire de Lasterie, vous nous faites le plaisir aussi d'être avec nous. Merci d'être là. Vous présidez la communauté de Paris-Saclay. Vous représentez aussi la région Île-de-France. Alors, on est en plein spring, à la fin de cette grande journée. Comment ça rayonne aujourd'hui, cet événement pour... Alors déjà, on est extrêmement fiers de pouvoir héberger aujourd'hui sur le beau campus de l'école polytechnique au cœur du plateau de Saclay cette nouvelle édition de Spring. Spring, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années avec l'établissement public d'aménagement et la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Ça s'appelait Paris-Saclay Connexion. Maintenant, ça s'appelle Paris-Saclay Spring. Ça devient un événement récurrent, attendu de la part de l'ensemble des acteurs. Je crois que l'ensemble des échanges qu'il y a eu aujourd'hui montrent la nécessité et la qualité d'un rendez-vous comme celui que nous avons connu. C'est quelque chose qui est très important sur un territoire d'innovation comme le nôtre, parce que l'innovation, c'est une alchimie particulière pour réussir à produire des choses positives. Ça demande déjà de mettre en relation des gens. C'est la base de l'innovation. L'innovation, c'est la rencontre entre des personnes qui ne se seraient pas nécessairement rencontrées sinon. Des chefs d'entreprise, des chercheurs, des financeurs. Et un événement comme Paris-Saclay Spring est un accélérateur de ces rencontres. C'est le premier point clé de l'innovation. Le second point qui est important pour un territoire comme le nôtre, c'est d'avoir un environnement qui soit favorable, qui soit solide pour que les entrepreneurs n'hésitent pas à planter leurs racines chez nous. Et c'est ce que nous faisons avec l'agglomération, en accompagnant les différentes entreprises dans des différentes structures d'incubation, de pépinières, en essayant de proposer des financements de locaux pour les aider à pouvoir s'installer et à grandir tout au long de leur vie, et puis à créer tout un environnement propice à de la rencontre. Et puis, le dernier point qui est important pour que l'innovation prospère, c'est de donner du sens à cette innovation. C'est le cas aujourd'hui à Paris-Saclay, où c'est l'innovation pour un développement durable, un monde meilleur, c'était l'objectif de cette journée. Et c'est vrai que vous êtes passé comme moi dans tous ces stands plein d'idées, et chaque stand cherche à sa manière à rendre la vie au quotidien un peu meilleur. Et ça répond d'ailleurs à votre question de tout à l'heure sur comment on fait pour que l'innovation ne fasse pas peur. Mmh. Il faut lui donner du sens à l'innovation. Mmh. Et je sais que chacun des entrepreneurs ici a cœur à ça. Mmh. Effectivement, c'est un point important. Alors, je vais juste vous faire rebondir sur un chiffre. 40% de la recherche publique et R&D et de la R&D privée d'Île-de-France, elle est ici à Paris-Saclay. C'est un chiffre important. C'est un chiffre très important pour la région Île-de-France, 40%. Au niveau national, c'est 15 à 20% de la recherche publique et privée française qui est sur le territoire de Paris-Saclay. C'est donc un territoire qui, en termes d'innovation, est béni des dieux. Et la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, qui s'excuse de pouvoir être présente aujourd'hui avec nous, en a pleinement conscience et met le paquet pour accompagner le territoire, et on a, je crois, en cela, beaucoup de chance. Cette stratégie d'innovation de la région Île-de-France, elle se décline en trois grands axes. Le premier, c'est évidemment, on a des secteurs sur lesquels on est leader, premier au classement de Shanghai, disait Jean-Michel à l'instant, en mathématiques, première université au classement de Shanghai de l'Union européenne tout court, toute section confondue, c'est des choses qui marquent là aussi. Et donc, sur les secteurs sur lesquels nous sommes leaders, il faut renforcer plus encore ces secteurs-là. Je pense évidemment à l'intelligence artificielle, au quantique, au biotech, sur lequel le territoire est particulièrement en avance, et la région a toute une série de dispositifs qui accompagnent les start-up et les entreprises dans ces innovations-là. Je pense par exemple au pacte quantique qui aide aujourd'hui concrètement 8 projets sur le territoire pour à peu près un peu plus de 3 millions d'euros. Je ne vais pas vous décliner tous les dispositifs régionaux, rassurez-vous, ils sont nombreux, mais une fois qu'on a aidé ces secteurs clés, il faut aussi aider les secteurs traditionnels à faire leur mutation et que l'innovation participe à cette mutation, notamment dans la perspective de transition environnementale dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai pour le secteur de l'automobile qui est très présent sur nos territoires, le secteur de l'avionique, etc. Par exemple, la région travaille à l'avion du futur. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des avions propres? C'est une problématique qui est forte pour nous. On a deux aéroports majeurs sur notre territoire avec quelques nuisances pour nos habitants, mais aussi des vraies perspectives de développement économique. L'avion du futur permet de concilier les deux. Et là aussi, la région est en soutien. Et puis, évidemment, il faut donner un environnement favorable
aux entrepreneurs. Donc là aussi, c'est les accompagner, comme ce que peuvent faire les différentes agglomérations pour proposer des financements, pour proposer des structures. Et c'est leur donner confiance dans notre territoire, leur donner envie de rester dans notre territoire. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je me suis un peu baladé, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, et ils m'ont quasiment tous dit la même chose. On se développe et on cherche à rester sur le territoire, parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a les chercheurs, c'est là qu'il y a l'innovation, c'est là qu'on a nos habitudes, c'est parfois là où on vit aussi, et il y a une qualité de vie sur nos territoires. Au-delà de la qualité de la recherche, on est entre Versailles-Saint-Quentin et Paris-Saclay sur un mix de ville et de campagne avec une vraie qualité de vie forte. Et donc pour toutes ces raisons-là, il faut qu'on puisse leur apporter les bonnes réponses. Et je crois que c'est ce que les territoires avec la région essayons de faire au quotidien. Et vous avez cité, quasiment nommé d'ailleurs, les sujets qui nous ont animés toute la journée, la biotech, la foodtech, les mobilités, la science for good, comme on dit de manière un peu plus générale. Philippe Vandemalle, vous êtes directeur général de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Vous êtes l'un des organismes qui est à l'origine même de cette manifestation. Vous nous avez aidé à l'ouvrir ce matin. Vous étiez évidemment à l'inauguration. Le mot de la fin vous revient, c'était une journée riche en événements, en enseignements, en tout cas pour nous deux on a appris plein de trucs, ah oui. On s'est vraiment éclaté. Ça a aussi prouvé, s'il en était encore besoin, la dynamique de ce secteur ici, de ce territoire qui est vraiment de rang mondial. Vous qui avez assisté à quasiment toute la journée, aussi bien dans le village de l'innovation qu'ici avec nous sur scène, qu'est-ce que vous en retenez de cette journée? Justement ce que vous venez de dire, c'est une dynamique extraordinaire. On a la chance sur ce territoire des trois agglomérations d'avoir effectivement des filières d'excellence qui combinent la recherche privée et la recherche académique, des entrepreneurs qui portent. On a la chance d'avoir beaucoup d'investisseurs aussi qui sont présents aujourd'hui. Et c'est cette dynamique globale, cette idée plusieurs fois, qui est quand même de l'innovation à la base de rencontres, qui est présente. Et on l'a vu aujourd'hui, la présence, les mouvements, toutes les rencontres, toutes les réunions qui ont pu avoir. Et c'est ça que je retiens, c'est qu'on est vraiment sur cette dynamique-là. On a une chance inouïe d'avoir toutes ces filières d'excellence et il faut aider à porter, d'autant que c'est pour beaucoup aussi des solutions du futur qu'on essaye d'inventer ici. Merci beaucoup. Et de garder son rang, parce que vous parliez de... Évidemment, on sait aujourd'hui que c'est une place mondiale, nous sommes une place mondiale, sans fausse modestie, encore une fois. Il faut tenir ce rang parce que la compétition, elle est quand même rude. Elle fait une montée en puissance des compétences aussi. Elle est positive, cette compétition. Mais elle est quand même là, cette compétition. La compétition est là, mais justement, on a la chance d'avoir énormément de talents individuels sur ce territoire, chercheurs, étudiants, dans les entreprises. Et je crois que c'est vraiment cette dynamique-là. Et on en est presque qu'au début. Donc, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui vont venir s'installer ici pour mettre des centres de recherche. On a des annonces qui sont faites. Donc, on attend maintenant qu'elles arrivent réellement. Et c'est cette dynamique-là qu'on va poursuivre. Et je pense que ça va encore continuer pendant quelques années pour garder, voire améliorer le positionnement de cette discussion. Et donc, effectivement, cette journée, c'était l'occasion de rencontre. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, hein, que ce soit dans les stands, qui ont participé sur les pitchs, qui ont participé sur les débats. Et je crois que c'est ça qui fait toute la richesse du territoire. Et on peut justement le constater, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Un dernier mot avant qu'on clôture cette journée et notre direct sur ce plateau. Vous aussi, vous offrez les clés de vos villes aux entreprises internationales demain, ou même encore françaises, bien sûr, dès maintenant. Ça continue, cette dynamique? Ça va, si je peux me permettre de commencer à répondre. Je pense qu'elle est en train de s'accélérer fortement. Oui. Tout notre secteur va être innervé en 2026 par la ligne 18 du métro qui partira d'Orly et qui traversera le plateau de Saclay pour aller à Saint-Quentin en Yvelines puis à Versailles. On est donc dans le moment pour les entreprises de faire les choix d'investissement sur notre territoire. Donc c'est un moment qui est passionnant, on est extrêmement sollicités les uns et les autres par des entreprises qui regardent notre territoire de près. Et moi je leur porte tout le même message, c'est de leur dire les mètres carrés ne vont pas être infinis chez nous. C'est maintenant que les décisions d'investissement se prennent. Donc, si vous voulez vraiment participer à l'aventure Paris-Saclay, perdez pas de temps parce que si vous vous réveillez dans quelques années, il y aura peut-être plus de place. Exactement. Et avec un mot, peut-être aussi de votre côté. Mais cela dit, en plus, il y a une forte culture numérique dans l'ensemble de ce territoire, indiscutablement. Des écoles aussi de formation qu'on renforce, qu'on développe, bien sûr avec l'arrivée aussi de la cybersécurité. Mais je dois dire et bien rappeler à tous les gens qui regardent ce territoire que le numérique est quand même aujourd'hui l'outil le plus puissant pour changer le monde. Et ceux qui veulent changer le monde
Bah, écoutez, bienvenue sur le territoire de Paris-Saclay. Exactement. On le voit dans nos communes, c'est-à-dire que déjà les habitants arrivent, quittent la première banlieue et arrivent dans ces territoires plus ouverts, plus aérés, moins urbains. Et donc l'enjeu, c'est d'attirer encore plus d'acteurs économiques innovants. On a tous des pôles de compétences qui sont en train de monter en puissance. Nous, on a sur Versailles Grand Parc le plateau de Satory où on a vraiment un pôle de technologie qui va se développer et qui a beaucoup de potentiel. On a la chance d'avoir trois territoires communs, joints les uns aux autres. On travaille ensemble sur ces sujets-là. On ne se marche pas les uns sur les autres, bien au contraire. Et on travaille, évidemment, moi je suis élu à la région aussi, et c'est faire monter en puissance cette belle région, mais nos territoires aussi. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est trouver les acteurs économiques qui ont envie de s'installer durablement et innover au fur et à mesure du temps. Et il y a encore de beaux projets à venir. Donc, welcome, comme on dit, à toute entreprise qui souhaite s'implanter ici, entre ville et campagne, dans cette belle région. Un grand merci à tous les quatre. On va vous remercier d'être venus sur ce plateau pour cette cérémonie. Merci de les applaudir. Merci. En effet, je propose qu'on clôture en centre de scène avec toi, Alexandre. Je vous en prie, messieurs. Merci beaucoup. Nous avons compris, grâce à vous quand même, que demain s'invente ici aussi, voilà, sur ces territoires. Merci à vous. Si vous voulez changer le monde, rejoignez-nous. Venez ici. Alors, peut-être pas demain, puisque demain, nous ne serons plus là. Non, on va repartir, nous, en voyage pour aller à la rencontre d'autres innovateurs. En tout cas, on voudrait remercier chaleureusement toutes les équipes, qu'elles soient techniques, de l'organisation. On peut les applaudir très fort parce que tout ça, il y a du travail derrière. Donc, bravo à toutes les équipes. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette belle journée. J'étais ravie, moi, de co-animer avec toi, mon cher Alexandre. On a appris plein de choses. On a des replays à partir, tu le disais, de lundi prochain. Si vous n'avez pas pu être avec nous ici dans la salle sur le magnifique campus de l'École Polytechnique, eh bien, vous pourrez retrouver les pitchs, les tables rondes, les regroupements croisés. Tout cela sera en replay dès lundi sur la plateforme de Paris-Saclay Spring. Nous, il ne nous reste qu'à vous souhaiter de changer le monde tous les jours. Et de façon durable. Et surtout, à vous dire merci, merci pour votre attention et à l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine. Ciao. Bravo.